Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai débloqué l'Alliance et les raids. Donc, on va directement démarrer pour voir ce que cela donne. Je viens à l'instant de débloquer le mode Alliance. Et avec le mode Alliance, en fait, on débloque directement le mode raid. Donc, comme vous le voyez, on a un boss ici, faut le buter. Et on a une semaine, enfin, plus ou moins une semaine. Donc, on y va directement. Pour voir un peu ce que ça donne. En plus de ça, j'ai vu que dans les récompenses des raids, on avait. Oh, là, ils ont animé derrière? Ok. On avait Hérozen. Ça pourrait être pas mal en fait. Si on peut débloquer ça. Ouais, je sais pas le mode auto, bien sûr. Alors, c'est un raid, on va voir un peu ce que ça donne. Combien de tours je vais pouvoir tenir. Déjà, c'est sûr que là, il va me buter. Ah, même pas. Bon. Donc déjà, pour l'attaque spé, combinée, je sais pas avec eux que je vais attaquer. Enfin, c'est pas avec Inoshika truc là. 1,25. 1,5. Ok. Donc avec Kakashi et Gai, ça sera la meilleure qu'on pourra faire. À l'heure actuelle. Comme vous l'avez vu, j'avais 1,5 de bonus d'attaque supplémentaire. On va essayer avec l'autre après. On va voir ce que ça donne. Normalement, après le prochain tour, j'ai l'attaque spé de chaque perso. Donc vous voyez là, Gaara, Kankuro et Temari. On va voir ce que ça va donner. Ah ben non, que deux persos. Dommage. Bon, déjà, ça sera pas mal. On est limité à 7 tours. Je pensais qu'on n'avait pas de limite de tours, mais c'est bon. En plus, sur le dernier tour, il me met ces 3-là. Bon, après, ça va, j'ai l'espé. Ok, pas mal. On a déjà terminé la loss. Reward. On récupère. Là, on passe au prochain boss. Niveau 2, ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, ça va être un peu plus compliqué par contre. Ah, ça rigole moins. De toute façon, je peux le faire 3 fois par jour. C'est dommage qu'on n'ait pas de limite. Pour certains modes de jeu, ce serait bien qu'on n'ait pas de limite. Histoire qu'on puisse faire tranquillement. Attends, il m'a buté Kakashi là? Ah non, j'ai eu peur. Ah, mais par contre, il m'a fait des dégâts avec.
Ah, je peux pas, dommage. Bon. Ça va, il m'a pas. Je pense pas qu'il m'ait éliminé Guy là. Il m'a pas éliminé Guy. J'ai pas. Je faisais pas attention, je faisais un autre truc. Il fait mal, hein. Ouais, donc il m'a éliminé Guy. Pas mal de dégâts avec moi, il va me faire trop mal là. Avec Boruto, je fais pas mal de dégâts alors que c'est un SR. Après, j'ai 4 étoiles. Le Red Boss, il est pas mal. Il est pas mal. Il est amusant. Bon, allez, on continue à attaquer Kakashi. De toute façon, c'est le dernier tour donc. Là, je mets même pas de poison. Enfin, je mets même pas de. J'enflamme même pas. Il n'y a pas d'ignite. Donc, j'ai mis. Ok, S. Je pense qu'à partir du niveau 40, ça sera largement plus simple. J'ai mis 360, 340 000 de dégâts. Ok. J'ai 45, on va voir ce qu'on pourrait faire. Bon, là, c'est avec les diamants. Il abuse un peu. Non, c'est pas avec les diamants, c'est bien avec la monnaie. Ouais, c'est vrai, ouais, la monnaie d'alliance. C'est pas mal ce mode, c'est pas mal. J'aime bien. Ah, l'autre il s'est fait buter, impeccable. Impeccable, là ça va être un petit peu plus simple vu qu'il perd son bonus d'attaque et de défense. Les dégâts seront plus accrus pour moi et moins critiques sur moi aussi. Parce que les dégâts qu'il faisait tout à l'heure, les 47 000, ça fait mal un peu. Lance sur qui? Bon, oh. Bon, il va pas me buter. Normalement, 5 000, 6 000 de dégâts. Ah non, 9K. Ok. Ok. Ok, c'est pas mal. Ça, il a pris cher. Alors, on va tester avec eux. J'ai pas pu tester tout à l'heure. J'ai lancé qu'avec Kakashi et Gai. On va voir ce que ça donne avec eux. Si je m'en souviens bien, tout à l'heure, j'ai fait du 7000 de dégâts. 7000, 8000 de dégâts. Donc là, je pourrais faire un petit peu plus. Après, ouais, 13 000, impeccable. Donc c'est mieux que j'attaque avec cette team-là.
Ah, de peu pour changer, mais bon, tranquille. En vrai, j'aurais eu Sakura adulte, je l'aurais stun. J'aurais une chance de le stun. Mis la contre-chip quand même, c'est pas mal. J'ai bien fait de le monter, Boruto. En plus, il a du poison, impeccable. Dernier tour, ça se finit sur cash, sur Kakashi, c'est impeccable. 13 000 contre-chip. Bon, ça c'est correct. Je pense que j'ai fait plus de dégâts que tout à l'heure. J'ai fait quoi? 340 000 tout à l'heure? Plus ou moins 340 000. On va voir. 95 000. Après, il était tout seul, donc c'est normal. De toute façon, là, il est déjà mid-life. Il m'en manque un. Ok, c'est correct. Vas-y, dernier essai. Donc, allez, il est mid-life. Normalement, je le fais une fois et l'autre il le fait encore une fois. Et normalement, ça doit être correct. De toute façon, on est 3 ou 4 dans la team là. Enfin, dans l'alliance. C'est pas mal. Prends juste un screen du mode alliance. Un petit screen. Impeccable. Ça, c'est pour Twitter. Et allez, on enchaîne. Les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça fera énormément plaisir. Il y aura de plus en plus de vidéos comme vous voyez sur ce jeu. Fait mal, hein. Il m'a fait mal, il m'a fait mal. Donc, vu que quand il est seul, je mets plus ou moins du 100 000 de dégâts. Normalement, dès que moi je l'aurais fait, dès que j'aurais fini mes 7 tours, a priori, il sera mort vu qu'il aura. C'est que il dure c'est combien? Un million, un million? Non mais enfin qu'est-ce que j'ai un million? Je m'en souviens plus, oh là là. Il avait bien 3 millions de points de vie. Hein. Oh, depuis il a me buté. Bon allez. On lance l'attaque Gaara. L'attaque combinée spéciale de Gaara, Temari Kankuro. Et on repasse sur du 15K normalement. Oh, incroyable. Bon, là, il me bute. C'était sûr, c'est obligé. En plus, il a du poison. Il prend 1500 de dégâts par tour supplémentaire. Enfin. Dommage, je mets pas de poison avec. Enfin, je mets pas un embrasement avec Guy. Que c'est pas mal. S. Normalement, il doit l'avoir terminé. J'ai mis du 80 000. On peut pas faire. Ouais, c'est le max. On peut pas les acheter. Bon, c'est correct.
Pour ce petit mode de jeu, on n'a pas encore tout débloqué. Il nous reste encore 3 modes de jeu. Ils vont arriver. Les vidéos vont arriver. Les lives aussi. Ça va, on va kiffer, on va kiffer. Donc, on va dans Alliance un peu pour voir un peu le système. Ça, on peut, en fait, au niveau de l'alliance, donc ça dépend du niveau de l'alliance, mais en fait, on peut récupérer au grand max 1 million, 1 million de Rio d'argent. Donc là, on va l'améliorer. J'ai failli l'améliorer avec les cristaux. On peut s'arrêter à quoi? Vas-y, on va s'arrêter à 300 000. Voilà, c'est bon, impeccable. Gamma Reward. Bon, pour le moment, il n'y a que 3. Les gars, venez dans l'Alliance. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Pour le moment, pas grand-chose. Je vais économiser pour les 5K là. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, le petit raid, la petite alliance. Je vais essayer de rush les prochains niveaux en fait. Pour débloquer tous les modes de jeu, pour voir ce que ça donne. Parce que je sais qu'il y a un mode survival. On termine avec la multi gratuite avec les 100K. Ça va, j'ai eu ça, c'est intéressant. Donc voilà. Il y a quoi de... Ah oui, ça. Ça, j'avais fait le premier jour. Le truc, c'est que je galérais et j'avais pas pu le terminer. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Alors, le galérer, je crois que je l'avais mis à peine mid-life, mais j'avais même pas 30 000 de puissance. Et j'avais pas Gaara. J'étais niveau 15. Bon, après, ça va. Là, je pense pouvoir me le faire facile. Ouais, c'est. Ouais, vas-y. Ça va être simple. Je pense pouvoir me le faire. Non, je pense qu'il faut que j'ai 60 000 ou 60, enfin on va dire les 70 000 de puissance pour pouvoir le buter. Ou pas. On va voir ce que ça donne. Si je mets plus de 20 000 de dégâts, là je pense pouvoir le faire. Dernier tour. Dommage. Niska. On a 30. 36, 37 là normalement. Ouais, 36. Bon voilà. C'est tout pour cette vidéo les gars, si ça vous a plu. B, ah c'est pitoyable. Bon, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me dire ce que vous pensez de ces modes de jeu. Et les autres vidéos arrivent très prochainement. Le tuto il arrive d'ici ce soir ou d'ici demain. Le tuto bien débuté. Sur quoi il faut poule, etc. etc. En plus, j'ai débloqué le 5, donc c'est correct. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, les gars. Allez, ciao tout le monde, on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt, allez, ciao ciao.